Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 27. L'épisode épique, l'épisode qui va signer peut-être la fin, l'épisode 2. Mon let's play sur le jeu Mystic Quest. Légende sur Super Nintendo. Un épisode où nous sommes dans le château du destin. Un épisode où vous avez pu constater dans le petit bonus, j'ai trouvé le bouclier C. Ce qui fait que nous avons tous les objets, nous avons l'armure, nous avons toutes les armes, nous sommes OP, nous sommes parfaits pour cette fin d'aventure. Et donc on se retrouvait dans ce petit labyrinthe, si on se rappelle bien. Qui était assez assez relou. Donc on va continuer et puis on va voir où ça en est. Jusque là, il fallait ouvrir plein de portes. Voilà. Alors du coup, on a ouvert la pop-porte ici. Ok. D'accord. Waouh, c'est trop grand. C'est trop grand. C'est pas un veille. Je suis perdu. Voilà. Ok. Oh là là. Oh là là. Ouais, je le sens pas très très bien cet épisode tout d'un coup. C'est pas vous, mais moi, je commence à avoir peur. Alors très 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 peur. Et ici, Blarky. Oh, sans l'œil. Alors. Du coup, il y a le calamar là-bas. Eh bien, on va aller voir. Hein. Là, je visite totalement au pif. Alors, mais alors, totalement au pif. Hein. Spam. Quand même pas mal de méchants, monsieur. À part le calamar. Le calamar, on se demande ce qu'il fait là, parce qu'il est vraiment tout pourri. Hein. Alors, il y a quoi là? Possible à porter, en Santa. Voilà. Je pense qu'on on va revisiter en fait le premier niveau qu'on a vu. C'était le niveau des sables avec le boss. Le Rex rouge, mais qui était blanc et qui s'appelait Sagdos, du coup. Je pense que là, on va avoir le... Comment il s'appelait déjà? L'homme de glace, cœur de glace. On va se le retaper et... Ça sera peut-être moins puissant, bien sûr, que... Alors, on ouvre plein de portes. Plein de portes, mais je vois pas les intérêts, personnellement. Alors, est-ce que c'est par là la suite? Non, c'est pas par là la suite. Je suis perdu. Non, mais réellement, je suis perdu là. C'est pas où aller, c'est terrible. Je vais me perdre et je vais rager comme un vieux rat. C'est terrible. Laissez-moi une chance de trouver la solution. Et là, ça revient ici. Et du coup, ça ne sert à rien. Je sais pas où aller. Oh là là. Allez, Blarkan, ça peut pas être trop difficile. Allez, Blarkan, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Peut-être par là, Michel. Non, Donc, c'est pas par là. Ok, c'est pas par là, c'est pas par là. Très bien. Là, on revient en arrière. Ok.
Là, on a vu que ça pouvait pas être par là. Donc, c'est obligé que ça soit par là. Voilà. Pas de raison. Ici. T'as déjà fait l'arcade, on s'en fout. Ici, on a ouvert. Mais ici, il y avait quelque chose. Eh oui, mais jamais. Sauf que je suis trop loin. Oh, les enfoirés. Ils sont sérieux, là? Un truc! Allez! Ça peut pas être là, hein. On est d'accord. Ça peut pas être là, ça peut pas être là. Voilà. Donc, si c'est pas là... Ça pouvait pas être là-haut aussi, parce qu'on l'a déjà vu. Et là, ça... Mais comment on va de l'autre côté? Labyrinthe, labyrinthe, labyrinthe. Non, et voilà, ça peut pas être ici, on l'a déjà vu. Et là, ça peut pas être ici, on l'a déjà vu. Ne dites rien, s'il vous plaît. Ne dites rien dans les commentaires, je ne veux rien entendre, je ne suis pas là. Voilà, ça devait faire 3 heures que vous étiez en train de me dire « Lacan, ça a juste à sauter, t'es passé devant 3 milliards de voix !»« Et t'es complètement aveugle !» Non, c'est pas vrai. Bon, on avance. C'est bien, ça. J'ai trouvé. Je suis très content. Et voilà. Alors, réellement, ces magies, elles sont parfaites. Parfaites pour aller tuer du méchant monsieur. Et donc, on arrive ici. Enfin. Il y a quand même ici, hein, que je veux visiter. C'est jamais. Ah, c'est tellement grand. Oh non, tu déconnes, je suis revenu en arrière. Oh, t'es sérieux, là? Oh, les enfoirés! T'en fous? Ah! Maintenant, je connais le chemin, je connais le chemin. D'accord, bon, bah comme ça, on a fait le tour et on sait où on est, donc nickel. On va pouvoir se barrer de cet endroit maudit. Cet endroit maudit. Là. Regardez. Objet. On reprend quand même. On s'en fout. On re-sauvegarde. Voilà. Allez. Deuxième boss, mes amis. Deuxième boss. Et il s'appelle comment, ce petit? Cœur de pierre. Ok. Putain, on doit se retaper les potes. Quoi. Cœur de glace, cœur de pierre. Ah non, pas d'heure, se rattraper pas usu et Waouh, pas mal. Alors, tu vas te soigner, toi, ma petite. Non, non, pas sur elle, s'il vous plaît. Elle a mal. Ça marchera pas, je suis résistant à tout. J'ai les armures de la paupiette, moi, tu vas voir. Eh ouais, raté. C'est moi qui ai le plus puissant pouvoir de l'amour. Quoique je devrais utiliser peut-être pureté, parce qu'en effet, le feu avec la pierre, c'est peut-être pas bon signe. Ouais,
Allez, on continue. Ça marche pas, je te l'ai dit. Je suis trop puissant pour toi. Vous êtes quand même moins fort que vos homologues. Oh là. Oh non, 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 non. Phoebe, fais pas. Fais pas n'importe quoi, Phoebe. Nickel, on l'a tué. Bye bye. Ouais. Et du coup, ça fait quoi? J'ai pas tout compris là du coup. Est-ce que si je m'en vais dans la salle, je peux aller plus loin? Eh ouais, d'accord, c'est ça. Alors, voyons voir. Ok, donc on va devoir se retaper des étapes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et voilà, le monde de lave. Je veux pas. Le monde de lave qui m'a totalement traumatisé. Donc ça, ça pas. D'accord, ça permet de. Ok. D'accord. Bon, et bien maintenant, on a une nouvelle ennemie avec le monde de. Ouais. Et je pense qu'après, à la fin, bah, on aura le boss final. Donc je pense pas qu'on l'aura terminé dans cet épisode. Ça dépend de combien de temps ça va, ce niveau va prendre, en fait. Ok. Ok, ok. Bon, il a pas l'air d'être... Ah ouais, d'accord, je comprends la difficulté. Ok. Bon, après, j'ai pas vraiment de coffre à trouver, donc personnellement, c'est pas très gênant. Ok. Ah, c'est plus compliqué, en fait, que je pensais. Donc là, je peux pas y aller. On est d'accord. Si je fais ça, je suis obligé d'aller par là. Là, je peux pas sauter, mais c'est un bon moyen pour arriver ici, ce qui servait absolument à rien. On est d'accord. Ok. Ok. Donc du coup, le chemin, c'est par là. C'est obligatoirement par là. Ça va, ça va. C'est facile. Imhotep, Imhotep. Après, les ennemis, ouais, ils sont pas très forts. Hein. Regardez, je les défonce tous. Putain, je suis niveau 36. Alors, du coup, on arrive par là. D'accord. Ok. Pour le moment, on s'en sort bien. Ça reste assez linéaire, d'après ce que je constate. En plus, on... Ah mince, j'ai plus de... Ah, c'est ballot, ça. Ça devrait leur faire assez mal pour que... Putain, ça a tué le Minotaur, quoi. Pour vous dire qu'il est vraiment faible. Alors, du coup... Il y a lui, et ça c'est pour revenir en arrière, donc pas d'intérêt. Je suis même sûr qu'on peut le... Je peux le one-shot. Voyons voir. Allez, vas-y.
Pas, il est pas mort. Ah non, d'accord. Putain, Phoebe, mais tu fais pas mal, en fait. D'accord, bon, on va rester à la magie, en fait. Hein. La Phoebe, elle me déçoit un petit peu, la petite. Alors là, il y avait ce chemin, mais il n'y avait pas un chemin en haut. Voyons voir, voyons voir. Ah non, ce sera pour revenir, ça, d'accord. Ça pour revenir, ok, c'est un raccourci. Oh, ça va, là, on a bientôt fini. Hein. Si vous voyez où je veux en venir, on a radicalement fini ce niveau, qui a été plus facile que l'autre. Hein. Totalement. Et donc là, on arrive au boss. Alors, on va se soigner. Bien sûr, ça servait à rien. On va sauvegarder là. Voilà. Et on va se faire un deuxième boss, dis donc. Allez. Et on se fait donc le dragon vert. Le dragon vert au lieu du dragon rouge. C'est vrai que du coup, vu que c'est peut-être un truc de feu, il va peut-être pas craindre, voilà, il va pas craindre. Donc, on va tester Météor, et on va voir s'il craint. Par contre, il va faire assez mal, hein. C'est ce que je vois. Ah, Météor fait quand même radicalement mal, donc c'est pas considéré comme une attaque de feu. Voilà, soigne-toi Phoebe parce qu'il il fait mal. Alors, hop. Et on enchaîne avec ça. C'est quand même... Waouh. Et j'ai résisté, hein. J'ai résisté. Je fais 300 de dégâts mais j'ai résisté, voilà. Je dis ça, je dis rien. Aïe aïe aïe, ça va faire mal parce que j'ai pas de résistance là quand même. Allez. Continue. Il va pas tenir trop longtemps. Hein. Il va pas tenir trop longtemps. C'est moi qui vous le dis, ce petit dragon vert. Il est déjà en dernière phase. Ah, ah. Et au revoir. Merci d'avoir participé. Et donc il me reste plus que l'épreuve de Pazuzu et on devrait être à la fin. On est à 19 minutes. Ne fais pas des bêtises, s'il te plaît. Merci. Donc, on se casse. Bon, ça va, si l'épreuve de Pazuzu, elle est aussi simple que celle-ci, ça passe. Par contre, si elle est aussi dure que celle de la glace, comment dire? Elle peut être endurite, c'est tout. Alors. Oh non! Tu déconnes! Ok! Je vois l'épreuve alors. Une épreuve facile, une épreuve chelou, une épreuve facile, une épreuve chelou, c'est ça? Si j'ai bien compris votre truc. Donc, Blarkan, fais attention où tu marches. Oh là là!
ça c'est le... Oh là là. Il est là, Pazuzu. Ça a l'air d'être super grand. Et donc ça sert absolument à rien. Ok. C'est un rire nerveux là pour vous dire. C'est un rire nerveux. Oh là là. Bon. Bon. On va aller se faire les boss ici. Ah, ils sont très sensibles au feu, hein. Ça se voit. Allez, tant mieux. Ça va être plus facile pour moi. Ça marche. Ah! J'ai toutes les tenues magiques de l'amour. Ah, j'aurais pu aller par là, en fait. D'accord. Alors, sachant que si je peux aller là, je peux venir ici. Mais il n'y a rien. Ok. Voilà, donc... J'essaye de comprendre le niveau. Hein. Mais là, il n'y a rien non plus. Donc ça servait à rien d'aller par là. On est d'accord. Voilà. N'avance pas trop vite, Blarky. Hein, s'il te plaît, ne fais pas le con. Ok, donc tout ça ne servait à rien. On pourra annuler la partie et donc... Notre but, c'est de grimper ici. Allez. Pour cet épisode 27, on aura vraiment, vraiment bien avancé. Là, je me pose la question si je vais avoir assez pour faire un épisode... un épisode en face commentary, en fait. Ok. Donc du coup, on peut grimper par là. Ok. Ah, j'ai plus de sorcellerie, mince. Ça, c'est pas cool. J'aurais surveillé plus facilement mes trucs. Ah, raté. Aïe, ça fait mal. Au revoir. Ça va, les ennemis, réellement je trouvais que les ennemis dans la tour Pazuzu, ils étaient plus chiants. Alors il y a un chemin à droite, hein, on est d'accord, je l'ai pas oublié, et donc ici il n'y a rien. Super, des flèches. Hop. Allez. Donc une fois qu'on a été ici, on peut l'éliminer. Donc on peut aller, il n'y a qu'un seul chemin pour le moment. Ça va. Je m'attendais à quelque chose en fait de pire. Mais le niveau est assez enchevêtré pour que ça soit assez simple. Si on suit une logique, on va dire. Voilà, je pense que je vais sur ma session, je vais m'arrêter juste après ce combat. Et ce sera ma dernière session sur Mystic Quest parce que je pense que je vais aller jusqu'au bout. Hein. Ok. On va. Hop. Nickel. Allez. Ah,
la Merf. Bon, ça va. C'est qu'une formalité. Alors, sort. Oui, hop. Regardez. Voilà. Allez. Je vois le temps. On est bon. Donc, on va s'arrêter ici. J'espère que l'aventure vous plaît. Profitez-en, hein, parce que c'est la fin. C'est bientôt la fin. On se retrouve dès demain pour la suite de l'aventure de Mystic Quest Legend. Est-ce que ce sera le dernier? Est-ce que ce sera pas le dernier? On verra. Donc, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite tout plein de bisous. Tout plein de bonheur, plutôt. Je vous fais tout plein de bisous. Et à ciao tout le monde. Allez, bye bye.